sur la perche. Alexandre. On va le faire en français. Comment s'est passé? Racontez-nous un petit peu cette fin d'étape où Alberto vous a dépassé. Racontez-nous un petit peu. Vous avez vu, je pense, plus que moi dans la télé. Moi, c'est... on a bien joué. Je suis aujourd'hui dans l'échappée. L'équipe est restée dans la roue. La finale, je pense, Alberto a attaqué. Andy me lâchait, le président. Dommage que je ne peux pas rester à la finale un peu avec eux pour aider peut-être à celui là à échapper un peu plus. Sauf que gagner l'étape, c'était vraiment pas très pour nous. On a gagné l'étape, on a fait du travail, on a repris sur Andy en partie. Et avez-vous pensé de gagner l'étape? Ah, bien sûr, quand je suis parti, je donnais tout pour gagner l'étape, bien sûr. Mais bon, c'est comme ça. D'un côté, on est quand même une étape, mais d'un côté, on a retrouvé un peu. Gros travail pour votre leader, pour Alberto. Ce travail, apparemment, aujourd'hui, paie. Oui. Ce travail, aujourd'hui, il paie, il est récompensé. Oui, avec victoire d'étape, oui. Bon, deuxième, c'est déjà aussi bien de sentir tous les produits du public, tout le monde, l'ambiance du tour, et bien. Ça reste 4-4 jours encore, et je pense à Alberto, l'équipe, c'est tout l'objectif, gagner un palier avec Alberto. Merci, messieurs.